Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 18 novembre 2024. C'est parti! Alors, ça fait beaucoup. Ben, on va les prendre, il y en a que deux, hein. On a le printemps et on a protection. Alors, on n'est pas encore au printemps, mais le printemps ici va signifier que peut-être nous entrons dans une phase de croissance avec la protection. C'est une forme d'aide, une forme de moment comme ça, un peu mis sous cloche. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément grand-chose à craindre aujourd'hui, qu'on peut faire évoluer peut-être un projet, qu'on peut faire évoluer une envie, faire évoluer... peut-être un besoin de quelque chose. Ouais, on peut se pencher, je dirais, sur ce qu'on a envie de faire grandir, sur ce qu'on a envie de mettre en place. Et je pense que c'est une journée où on sera assez protégé. Hop, 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 hop. Et on pourrait même trouver l'aide nécessaire, parce que la protection, j'aurais pu l'appeler aide. Je crois que j'ai failli l'appeler aide. Mais ouais, il y a un côté... on va être accompagné, on n'a rien à craindre. Et nous avons dépendance. Par contre, toutefois, je dirais avec la carte dépendance, attention à ce qui nous entrave. Voilà, attention aux limites qu'on se met. Attention au plafond de verre, vous voyez. Le soleil. Et dans nos relations, attention justement à ça. Parfois, on a tendance à manquer de confiance et à demander l'avis des autres. L'encre. Et attention à ça, attention à ce que ça ne nous maintienne pas justement trop non plus sous cloche. Voilà. Sous cloche c'est bien, mais pas trop longtemps. Alors, donc on avait le soleil, après on avait je sais plus, poisson rouge, le jardin et la lune. Ah oui, l'encre, c'était le soleil, l'encre, le jardin, la lune. Bon, ce ne sont que des cartes qui sautent, mais je sais que certains aiment bien les avoir. La clé. Je coupe. Donc, l'encre et l'anneau. Écoutez, moi, ici, j'y vois justement le côté... alors, pour ceux qui attendent une réponse positive, ou enfin, une réponse, dirons-nous, concernant un achat, la vente de quelque chose, l'échange... c'est positif, très clairement c'est positif. Il y a contrat commercial, contrat au niveau financier, contrat, voilà, il y a une signature. Mais ça peut être aussi juste un engagement à poser les choses, à les ancrer. Voilà, alors le trèfle aujourd'hui, le renard, la femme. Le livre et le cercueil. Écoutez, c'est un très beau tirage. Alors, on est plutôt ici, contrairement au tirage de la semaine, on est plutôt sur une sphère personnelle, on est plutôt sur une sphère intime, sur une sphère professionnelle, sur l'aspect dans notre propre vie. Moi, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir soit nos actions, notre intelligence, la ruse qu'on a mis en place... le travail qu'on a fourni, ou même dans le monde professionnel, il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui nourrit positivement aussi la confiance qu'on a en nous, et qui nourrit aussi les projets que l'on peut avoir, et les envies de changement, en fait, hein. Mais c'est quelque chose qui est en lien avec nos actions, qui est en lien avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on a dit, avec nos réactions, avec notre attitude, voilà, c'est vraiment un coup de chance qu'on aura été chercher, et qui ne nous aura pas été donné, en fait. C'est par, encore une fois, nos actions, notre attitude, notre intelligence, qu'on aura justement débloqué peut-être quelque chose en nous, compris quelque chose qui apportera du changement. Alors, dans le cours de la journée. Je recouvre le trèfle par le cœur, le renard par le jardin, la femme par la lettre, le livre par la faux, donc ici la hache, et le cercueil par la croix. Alors, cette deuxième ligne, elle nous met au centre la lettre. La lettre, c'est les nouvelles officielles. Je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir des nouvelles officielles venant de l'extérieur et qui annoncent
la fin de quelque chose, qui annonce la rupture de quelque chose, qui annonce... c'est pas forcément une rupture négative, c'est pas parce qu'on a la croix que c'est lourd, etc. Hein. C'est juste la fin, en fait. Et c'est quelque chose qui, émotionnellement, nous impactera, mais qui arrive de l'extérieur. C'est l'extériorité qui impacte notre état émotionnel par, justement... une notion officielle, par un courrier, par quelque chose annoncé officiellement, je dirais. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on voit que cette annonce, elle n'est pas forcément négative, parce qu'elle peut impacter notre état émotionnel avec le trèfle, c'est-à-dire avec le coup de chance, en fait. Hein. Je pense qu'on est ici sur la sphère professionnelle. Ouais, je pense qu'on est sur la sphère professionnelle. Ou en tout cas ce qui occupe notre quotidien et ce qu'on montre à l'autre, en fait, hein, la partie que l'on montre, voilà. Je pense que la nouvelle, elle peut aussi venir de nous. On peut avoir envie d'officialiser quelque chose et, par rapport à une information, de prendre une décision, de mettre fin, de transformer, et d'avoir... Parce que la croix... C'est la fin, évidemment, hein, mais c'est aussi la foi. Et avec le cercueil, qui représente aussi mort et renaissance, moi je dirais ici que c'est la foi. Je dirais aussi qu'en fait, on choisit, comme je disais ici, de faire évoluer quelque chose, de mettre en place quelque chose, de commencer quelque chose, à le mettre en place, et on décide de se faire confiance. Et on décide... De faire confiance à notre capacité d'analyse, de réflexion, de compréhension des choses, en fait. Hein. Et je pense que ça, c'est plutôt positif. Je regarde juste... Ouais, vous voyez, la lettre, j'ai recouvert par l'arbre, et l'arbre, c'est les choses saines, c'est l'analyse de ce que j'étais, ce que je suis, et qui j'ai envie d'être par la suite. Et là, on voit que... Je vais recouvrir juste la faux, une fois n'est pas coutume. Hein. Ouais, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer. On a envie de dépasser quelque chose. On a envie de, voilà, d'aller voir peut-être ailleurs si l'herbe est plus verte, ou simplement voilà, d'aller plus haut, d'aller plus fort, d'aller... Voilà. Donc il y a ce côté-là et c'est très positif aujourd'hui. On va pas chercher le négatif quand c'est positif. Hein. Donc nous avons, tu as besoin de sentir que ton avis a de l'importance et que l'on respecte... Pardon. Que l'on te respecte et que l'on respecte ta voix. Mais avant d'obtenir cela, offre-le-toi. Et je pense que peut-être qu'il y a de cela là-dedans. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut !